Ça tourne. Mesdames et messieurs, bienvenue au Nzi River Lodge, le seul endroit en Côte d'Ivoire où vous pouvez faire un safari. Le Nzi River Lodge est situé à quelques kilomètres de Boaké en Côte d'Ivoire. Cette réserve de faune et de flore couvre une surface de 41 000 hectares, soit environ 60 000 terrains de football. Autant dire qu'il y a beaucoup d'espace pour laisser les animaux vivre en paix. Le Nzi, quant à lui, est le nom de ce cours d'eau qui traverse la réserve. Mais ce projet n'aurait jamais vu le jour sans la famille ivoirienne, les Diakité. En effet, les Diakité étaient des anciens chasseurs qui venaient dans leur domaine pour traquer et tuer le gibier. Puis un jour, Karl le fils a décidé de convertir sa famille en protecteur et défenseur des animaux et de l'environnement. Non mais la chasse c'est fini les gars. D'où la création de cette réserve ouverte au public. Karl est un véritable ranger, passionné de nature, qui n'a aucun secret sur son domaine. Dicrostachys cinerea, Noclea latifolia, Daniela olivieri, Vitaleria paradoxa. Au-delà des animaux, Karl en connaît un rayon sur les végétaux, comme cette feuille qui peut être utilisée comme sel naturel. En venant au Nzi River Lodge, vous aurez peut-être l'occasion de croiser des copes de buffon, copes de fassa, bubal, hippotrague, guébarnaché, facochère, otamouchère, vervé, patas, céphalophe à front noir, chacal, civette, chat de brousse, léopard, galago, lièvre, crocodile, varan, python, cobra de forêt, mamba vert, caméléon, toaco vert, violet, aigle couronné, outarde à ventre noir, martin pêcheur, calao longibande, papillon et bien d'autres oiseaux et insectes. Et avec un peu de chance, vous croiserez peut-être le dernier rhinocéros de Côte d'Ivoire qui a été sauvé et déplacé dans cette réserve grâce à la famille Diakité et l'État de Côte d'Ivoire. Pour faire votre balade, pour aller chercher les animaux, vous montrez à bord de l'un de ces véhicules qui est un Game Viewer qui prend 9 places. Vous vous enfoncerez dans la savane arborée tôt le matin ou en fin d'après-midi à la recherche des plus belles espèces protégées dans cette réserve. N'oubliez pas bien entendu de ramener votre appareil photo et votre objectif le plus long. Oh, le ventre bleu. La nature et ses merveilles seront là à quelques mètres de vos yeux. Alors ici, la brousse, quand on vient la découvrir, c'est pas juste les gros mammifères, mais c'est aussi les insectes, c'est aussi l'avifaune qu'elle regorge. C'est aussi les plantes et la pharmacopée. C'est les chasseurs, quand ils vont en brousse, ils ont soif. S'ils voient liane là, ils coupent et puis ils voient l'eau. Il y a d'autres là même, là, l'eau est beaucoup comme ça. Et à long terme, l'objectif du Nzi River, c'est de pouvoir intégrer des espèces endémiques qui ont disparu. L'éléphant et le lion par exemple. Flocon 1 pour flocon 2. Et au fait, j'ai oublié de vous dire qu'en créant le Nzi River, les Diakité ont créé de l'emploi dans la zone, mais ils ont surtout réussi à transformer certains braconniers en rangers en leur donnant un emploi stable et une rémunération mensuelle. Avant, j'étais un chasseur, un braconnier. Je tuais les animaux pour survivre. Je suis devenu ranger et je protège les animaux pour vivre. Quant aux commodités et au logement, le Nzi River a tout prévu pour vous accueillir et faire de votre séjour une expérience inoubliable. L'équipe du Nzi River vous propose trois types d'hébergement. Des chalets, la villa des rangers et également des tentes dans le camp d'Okassou. Vous savez quoi, le Nzi River fait le maximum pour être indépendant en termes de consommation énergétique avec des panneaux solaires. Avez-vous déjà entendu parler de la montagne d'or?
le mont Sikaoka. Après avoir observé la nature, d'autres activités vous seront proposées. L'ascension du mont Sikaoka, la baignade sur l'une des plages d'Unzi, visiter les carrières de Brovo. Et pour finir, voici la cerise sur le gâteau. Une des choses que je préfère lorsque je viens en The River Lodge, c'est de pouvoir assister au coucher de soleil sur la plateforme du Okasu Camp. Et s'asseoir autour d'un feu pour se raconter des histoires et des expériences de la merveilleuse vie dans la brousse africaine.